Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy. Les amis, une nouvelle vidéo de guerre comme vous le voyez contre les SLA Slav S. On va revenir sur ce match très technique. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater les amis, on y parle de tout, grosse section recrutement sur Infinite Galaxy et sur tous les jeux que vous pouvez voir sur la chaîne. Donc les SLA, Alliance du serveur 14, je vous en avais déjà parlé, les Slav S, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Ils sont 81, on est 87, ils affichent une puissance cumulée de 2 591 000 000, presque 2 600 000 000, nous 3 380 000 000, presque 3 400 000 000. Le match commence dans 4 minutes 59 et j'ai fait un petit arrêt pour que vous puissiez voir. On va tout de suite aller voir ce match. Alors sur le papier, on est plus puissant qu'eux, mais on a vu par le passé, par exemple avec le match contre les War, on avait 1 milliard de plus, on n'a pas réussi à les battre. Alors on est les attaquants, c'est nous qui les avons défiés, donc normalement c'est à nous de faire le job et d'aller attaquer, tout simplement. Comme d'habitude, je vais utiliser la même stratégie que d'habitude, je l'ai annoncé, hein, vous le voyez dans le chat à gauche, j'ai dit je pars au nord et je vais utiliser les speeds. De boost, hein, les boosts de speed plutôt dans ce sens là, ça marche mieux pour prendre tous les points très rapidement et aller sur leur base. Le dernier match, je suis arrivé très vite sur leur base, je l'ai pris, il n'y avait personne en défense, on va voir ce qu'il en est. Alors je coche et tout de suite je claque 500 de quorum une fois, 500 de quorum deux fois, 500 de quorum trois fois et tout de suite de quorum, il y a un i, trois fois et donc j'ai 45 secondes d'accélérateur et là je bombarde. Vous voyez, j'ai pris le point 3, personne n'a bougé dans aucune des deux bases. Je vais sur le point 4. Est-ce que j'aurai le point 4 avant même que quelqu'un ait un autre point? J'ai le point 4, personne n'a rien. Le point 3 est pris, le point 14 est pris. Je vais sur le point 7, donc j'ai environ un point d'avance. Le point 13 est pris, ce qui veut dire que j'ai potentiellement un adversaire sur un ou plusieurs adversaires sur ma ligne. Le point 7 est pris, je vais sur le 10. Pas de point de leur côté sur le 10. Donc celui qui a pris le point 13 est parti sur le 11 très probablement. Donc je continue d'avancer, regardez, il fait demi-tour, il a vu que j'avançais plus vite que lui, il fait demi-tour, il va défendre sa base, point d'esprit. Évidemment, je suis bien lancé, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, j'attaque le point 13, on va voir ce qu'ils ont en défense sur le point 13, c'est pour ça que j'ai attaqué. On va voir s'ils sont nombreux de connecter ou pas. À ce stade-là, on a 8 points, ils n'en ont que 4, on est bien. J'arrive, je n'ai plus d'accélérateur, enfin s'il me reste 4 secondes, d'accélérateur, j'arrive, j'attaque leur base numéro 13 et on regarde 5 millions 2 pour moi, 12 millions en défense. Donc autant dire, je vais me faire péter les dents. Je ne peux pas bien évidemment faire demi-tour. Je regardais s'il y avait eu un patch en sens puisque parfois il y a des patchs silencieux. Mais non, je ne peux pas faire demi-tour, je me fais péter la bouche. Il va donc falloir que je revienne. Opsi qui est derrière moi, Korea aussi. D'ailleurs, Koala a raté ce match. Ça va être l'occasion pour lui de voir ce qu'il s'est passé. Donc, je reviens immédiatement. Je soigne, répare mes vaisseaux. Je re-remplis du moins. Je remets un petit accélérateur de corium. À vrai dire, j'en ai même remis 3. Hein, donc, j'ai déjà claqué 3000 de corium depuis le début. Et je bombarde pour venir me positionner sur cette base 13. Vous le voyez, les adversaires sont plus bloqués chez eux, ils n'ont que le point 13 et le point 14. Là, on attaque le point 13, vous le voyez, on est à l'équilibre, mais on a des troupes qui arrivent encore en force. Donc forcément, on va se retrouver vraiment en position de force sur ce point-là. Donc ça va vraiment, vraiment être un très, très gros combat sur la base 15 puisqu'ils sont là. On va voir à quel niveau ils se placent. En général, quand une alliance, donc vous voyez, on passe à 19 millions contre 4 millions, 18 millions contre 4 millions. En général, quand une alliance se laisse en retrait comme ça, toutes celles qu'on a rencontrées, c'est qu'elles étaient moins puissantes et donc qu'elles allaient juste défendre. On y va, Opsi attaque, on le suit, Ed 113 aussi va le suivre. On va tous se réunir devant leur base. Ça fait 3 minutes que ça a commencé, donc on se dit, bon, bah, ça sent bon, on a toutes les bases, voyons, on se réunit devant eux. On a tous les points,
On devrait leur rouler dessus tranquillement et on va plier ce match en 5 minutes. À ce stade-là, c'est ce qu'on se dit, comme le dernier match hein, que je vous ai montré, où d'ailleurs on avait plié ça en à peine 3 minutes. Vraiment, ça a été très très vite. J'y vais aussi, bien évidemment. Je suis de retour et ça attaque. Et regardez en défense combien ils ont. 100 millions, nous 121,2 millions en défense. Alors certes, nous on a un petit bug d'affichage, donc on n'a pas la totalité de ce qu'on devrait avoir qui s'affiche, puisqu'on est beaucoup plus réunis. Vous le savez, hein, il y a une petite latence. Mais quand même, 120 millions, on se fait péter la bouche. On a 35-42 en pointe là, tous les joueurs réunis, on doit être à 70 millions. Donc, la question est, ils ont 120 millions en défense, presque 130. On a environ 70 millions, nous aussi, de capacité. Pourquoi n'attaquent-ils donc pas? Ils viennent de nous renvoyer tous chez nous. Ils pourraient reprendre tous les points en faisant un rouleau compresseur avec leurs 120 millions. Ils iraient au centre, 130 millions même. Ils iraient au centre, ils prendraient tous les points, ils arriveraient à notre point et ils nous rouleraient dessus. Nous, du coup, on a peur qu'ils arrivent et qu'ils attaquent, que ce soit leur stratégie. Ils défendent pour attaquer. Donc on se précipite sur le point 13 et c'est ce qu'on va faire. On va tenir le point 13 et le point 14. Mais regardez, je vous fais une ellipse puisqu'on se retrouve à 3 minutes, 2 minutes 55 de la fin. Car en fait, nos adversaires n'ont à aucun moment attaqué. Pendant 40 minutes, on est resté, on a fait essayer de faire 2-3 assauts, on n'a jamais réussi, mais les 15 dernières minutes, on est resté dans la base 13 et la base 14. Les adversaires jouaient défense, mais quand on joue défense, il faut savoir à un moment sortir. On est à 2 minutes 30 de la fin, ils n'ont qu'une seule possibilité pour gagner, ils doivent sortir et nous prendre au moins 7 points, plus leur base, il sera à 8, on sera à 7, il n'y a que 15 points. Ils gagneraient donc d'une seule base, mais ils ne le font pas. Ils peuvent le faire à la dernière minute, hein, avec les boosts, avec les accélérateurs et un très gros assaut, ils pourraient le faire. Nous, quelle était notre stratégie? Elle est simple. On s'est répartis 12-12 à peu près sur la base du nord et la base du sud. Et dès le moment où ils attaquent un point, on attaquerait immédiatement leur base pour la prendre. C'est simple, notre stratégie est très claire. Mais en fait, à notre grande surprise, vous le voyez, hein, on est à 1,52, ils n'attaquent toujours pas. Donc vraiment, on est surpris, on ne sait pas s'ils vont avoir une stratégie vraiment très spécifique sur la fin. C'est la première fois qu'on rencontre une alliance qui joue en def. Il y a deux matchs, j'ai essayé de vous montrer la stratégie de def, puisque c'est celle qu'on a utilisée. On a d'ailleurs perdu avec cette stratégie, mais beaucoup d'alliances arrivent à gagner. Ils sont plus puissants que nous, hein. Ils ont presque le double de puissance de nous dans de nombre de joueurs connectés. Enfin, pas le nombre de joueurs, mais en puissance des nombres de joueurs connectés, ils ont pratiquement le double de nous. Donc, s'ils sortaient, ils pourraient nous rouler dessus. Donc, vraiment, on ne comprend pas ce qu'ils attendent. Pourquoi ne sortent-ils pas? Il leur reste 1 minute 10. Ça commence à être tendu. À ce stade-là, pour moi, on a gagné. Il n'est pas possible de reprendre autant de points aussi rapidement. Mais on a déjà vu des bugs, on a déjà vu des exploits bugs. Par exemple, une alliance qui arrivait à prendre en boucle le point 9 alors qu'on avait tous les autres et qu'on était dessus. On ne sait pas comment ils faisaient, mais il y avait un bug à cette époque-là. Là, vraiment, c'est assez suspicieux. Je ne comprends pas ce qui se passe. 45 secondes, pour moi, encore une fois, impossible qu'on perde. Mais ils ne sortent pas du tout. Ils pourraient tenter le tout pour le tout et sortir, mais même pas. Alors, est-ce que c'est une alliance qui joue avec énormément de multi-comptes? Et donc, ils n'arrivent pas à driver tous les comptes en même temps et ils ont tout mis dans leur QG, donc ils ne sortent pas. Je ne sais pas, nous à ce stade, il reste 25 secondes, donc on décide d'attaquer. Mais si on a, j'ai hésité hein, à lâcher encore 500 de corium pour les 20 secondes qui restaient et à arriver à temps et toucher la base. Mais finalement, je ne l'ai pas fait. On a tous décidé d'attaquer à 20 secondes, mais c'était mort, c'était fini. On avait gagné déjà. Donc, vous voyez, 7 secondes, 6 secondes, 5 secondes, la partie est gagnée. Vous voyez, 136 millions. Ils auraient pu nous rouler dessus 1000 fois sans problème. Donc, j'ai vraiment pas compris leur stratégie. Regardez, ils étaient 26, on était 29, et pourtant, alors c'est là vraiment que c'est étonnant. Ils sont moins puissants que nous d'un milliard. On était 29, ils étaient 26, et pourtant, en termes de puissance des joueurs présents, ils nous mettaient une vraie raclée. C'est vraiment étonnant. Est-ce qu'il y avait un bug d'affichage? Est-ce qu'il y avait de la latence?
Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas? N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis. Mais clairement, c'est très étonnant. Encore une fois, c'est la première fois qu'en étant plus nombreux et en étant plus puissant sur le cumul de tous les joueurs, au final, on est moins puissant lors de l'attaque. Ça ne nous était jamais arrivé. C'était compliqué à dire ça. Donc, jamais arrivé. Et bien évidemment et heureusement, on n'avait jamais joué contre une alliance en def. Et là, on a gagné. Mais ça reste quand même très étonnant comme partie. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo et cette stratégie de défense. Si vous avez des stratégies, n'hésitez pas à les partager soit en commentaire, soit à venir sur le Discord pour en discuter, puisque on est à la recherche, on essaye de se peaufiner, de se roder, d'être plus synchro pour nos attaques. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis, et je vous dis à plus sur Infinite Galaxy.